Perso, quand je pense à Florence Foresti, j'ai en tête une meuf qui, à chacun de ses sketchs, arrive à me faire faire une séance full abdos. Mais Florence Foresti, c'est aussi une histoire de taux, de burger et de Madonna. Allez, on te raconte. Bonjour, bonjour à tous. Florence Foresti, c'est elle. Il y avait encore besoin de me présenter? Elle est née le 8 novembre 1973 à Vénissieux, près de Lyon. Et dès l'enfance, son but, eh bien, c'était de faire rire les autres. Mais c'est pendant les spectacles de fin d'année du lycée qu'elle a la révélation. Ma vocation, c'est de faire rire. Le bac en poche, elle se lance dans des études de cinéma et enchaîne les petits boulots. Mais l'appel des planches est bien trop fort pour Florence. En 1998, elle fait ses premiers pas au café-théâtre Le Nombril du Monde avec ses acolytes Céline Yannucci et Cécile Giroux, avec qui elle forme le trio Les Taupes Modernes. Et elle va tellement shiner que Chris Long, une productrice, va se dire « Mais c'est qu'elle a du talent, la petite, hein. Allez hop, toi tu rentres avec moi direction Paris !» Et en 2001, Florence commence à voler de ses propres ailes. What the fuck, c'est quoi ça? Elle se produit sur scène avec son premier spectacle, manquerait plus qu'elle soit drôle. Et c'est en 2003 qu'elle est révélée aux yeux du grand public avec ses sketchs mythiques dans l'émission de Laurent Ruquier, On a tout essayé. Mais si, rappelez-vous de Clotilde, de Brigitte ou encore d'Anne-Sophie de la Coquillette. Hé hey Laurent, calmez-vous. Vous êtes un peu vulgaire, hein, je vous... Là, vous êtes en train de dépasser les burnes, hein, je le vois. D'ailleurs, si vous pensiez que c'était la première fois qu'elle passait à la télé, eh bien, détrompez-vous. En 2001, elle a participé à l'émission Burger Quiz à la Chabat, où elle était l'une de ses premières participantes. Super stressée? Extrêmement. C'est quoi? C'est des sueurs froides, le cœur qui bat? Ouais, c'est un petit peu tout. Tout ce qui est symptômes d'agonie, quoi. Voilà, ça va bien. Et comme pour sa première On ne se refuse rien, elle jouait dans l'équipe d'Elise Moon et de Samina Seri. Eh oui, rien que ça, madame! Mais si elle est la superstar de l'humour que l'on connaît aujourd'hui, c'est principalement grâce à deux spectacles qui l'ont propulsée. En 2005, avec Florence Foresti fait des sketchs et son cultissime avion Barbie. Belle carlingue, hein, fleuron de l'aéronautique mondiale, ça. Ça, ça a failli remplacer la 380, ça. Et en 2007, avec Motherfucker, un spectacle qui parle de maternité et qui sera même sacré meilleur One Woman Show en 2010 au Globe de Cristal. Et le sujet qu'elle aborde dans tous ses spectacles, c'est l'effet d'être une femme. J'aime pas les garçons. C'est nul. Elle questionne toujours le rapport entre les hommes et les femmes à sa sauce, et ça pour notre plus grand plaisir. Et comment parler de Florence sans mentionner son idole Madonna? Elle l'aime tellement qu'un jour elle a décidé de la parodier. Ah ouais, on y voit que du feu! Mais cette fois-là, elle a été un peu trop trash. Vous venez, je crois, d'adopter un enfant en Afrique, c'est vrai? J'ai l'habitude de ramener toujours un petit souvenir des pays. Là, je ramène un petit figurine noire comme ça. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Je n'endors plus la nuit. Attends, je te règle tout ça. Lui, c'est Frédéric Lopez, le gars sûr de Florence qui a demandé à Madonna en pleine conférence de presse si elle pardonnait à l'humoriste. So I want to understand if you will forgive these people and Florence. I forgive you, Florence. Cette phrase l'a tellement marquée qu'elle a même décidé de l'utiliser en sonnerie de téléphone. I forgive you, Florence. Oui, allô? Et Florence, c'est un vrai couteau suisse. Elle est sur scène, au théâtre, dans des séries ou encore au cinéma. Et cerise sur le gâteau, elle a même présenté les Césars à deux reprises, en 2016 et en 2020. En bref, Florence Foresti, elle a pas volé son succès. Depuis ses débuts, elle nous a clairement prouvé que c'est elle la patronne de l'humour, et ça pour notre plus grand plaisir. Ouais, et un peu moins sa vie de nos abdos. Ouais, grosse. Génération.